Yep, tout le monde, c'est Melarset. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude sur Soilmonde. On se retrouve pour les missions du jour du mercredi 8 décembre 2021. Donc, qui dit mercredi, bah qui dit rien du tout en vrai. Non, en vrai, je vais essayer de faire un live juste après, mais j'hésite encore à faire un live sur FIFA, sur Fortnite, sur Rocket League, sur je sais pas, je sais pas, mais parce qu'en soi, Soilmonde, j'ai rien à faire. On va pas se mentir, si, une glace. Une glace. On peut. Ouais, nuit de glace en vrai. Ouais, nuit de glace, je peux faire. Mais bon, faire une après-midi d'une glace, ça va être chiant vu que. C'est assez chiant, mais. Je sais, ouais. Ouais, bref. Après, ouais, tranquillement. Mais ouais, pourquoi pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous voulez que je fasse en vrai. Sachant que je dois partir de chez moi à 17h, donc je peux lancer un live vers 13h, midi 30, à peu près. Enfin bref. Aussi, n'hésitez pas à continuer à participer pour les cartes PSN ou Xbox, selon votre plateforme, bien évidemment. Pour l'instant, il y a 6 participants, je crois. Vous désistez pas, bien évidemment. Continuez à rester actif, quoi, tout simplement. Mais continuez à me dire si vous voulez participer encore. Et puis, sinon, si vous voulez une double chance de gagner, rejoignez le serveur Discord aussi. Très important. Je lancerai le giveaway sur Discord, par contre, que vendredi. Je laisserai genre. Le week-end pour participer, vu que là j'ai pas envie de faire tout de suite, sinon ça fera trop de giveaways d'un coup et c'est chiant vu que quotidiennement je fais déjà un giveaway où je donne des ressources, tu vois, donc j'ai pas envie de faire des triples giveaways tu vois. Enfin bref, j'espère que vous comprenez, tu vois, mais ouais, si vous avez une double chance de gagner, rejoignez le serveur Discord, Darkram. Normalement, j'ai mis le lien en description de la chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à cliquer, vous rejoignez. Ça prend 2 secondes. En vrai, c'est plutôt cool, quoi. Bon, voilà. On va peut-être commencer tranquillement à vous montrer l'émission. J'espère que ma manette va pas trop bugger, vu que vous savez que ma manette, elle monte tout seul. Regardez, hein. Là, je descends, elle monte. Je sais pas pourquoi. C'est assez chiant du coup, c'est assez chiant. Bon bref, Fontainebleau, il y a un. Mais, frère, ça c'est chiant vraiment. Mais... Il y a un écrabouilleur en épique, vraiment. Putain, en plus, c'est ma manette blanche, tu sais, celle qui est censée être la plus neuve des deux manettes, tu vois. Et c'est quand même celle-là qui bug, je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas, c'est le joystick gauche, il tape des délires. Donc là, il y a un petit sol rôtisseur en épique avec x4 gouttes de pluie. Pourquoi pas? Bon, le x4 gouttes de pluie, il donne pas beaucoup de gouttes de pluie, hein. Il doit donner peut-être 40. Je sais pas du tout en vrai. Contre-courant en épique. Ouais, et encore 40, je suis gentil, hein, je pense. Parce que cette ville planche, je pense que. Ouais, peut-être 40, c'est peut-être même abusé dans ce que je dis, mais pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, bon, un expert en épique. Pourquoi pas. On arrive directement à Morn. Avec des missions plus ou moins intéressantes, mais en vrai, en vrai de vrai, c'est plutôt sympa. Ouais. Hop, petite mission rebug ici, ou ticket ROX comme ma part. D'ailleurs, si vous n'avez pas sauvé le monde, bah, si vous l'achetez maintenant, enfin, c'est cette période-là, bah, vous allez avoir les tickets, donc voilà. Donc, c'est un peu dommage. Avec les packs de démarrage avec Kevin Robot, quoi. Mais en vrai, commencer avec Kevin Robot, je pense que c'est pas mal en vrai. Pour les gadgets et tout. Au moins tu les as plus fréquemment et tout. En vrai, ça peut être sympa à jouer au début du jeu comme ça. Enfin bref, là il y a une petite mission double manuel d'entraînement, hein, 100 et 100, donc ça fait 200. C'est plutôt cool avec une petite Ramirez soldat à distance. Donc même si tu commences le jeu où t'as un moyen niveau, t'as toujours pas Ramirez en épique, franchement. Elle peut déjà faire le taf avec un sorant épique également. Donc voilà. Il y a Picardie directement.
Donc c'est plutôt au calme. Et puis là on arrive sur la dernière ville, donc Picardie, avec je pense des missions plutôt OZEF. Celle-là par contre elle est pas mal, hein, pour une 76 x 4 du cyclone avec 184 d'écu épique. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Oh, un petit Johnny Zifu des balles ici en légendaire, ça peut être également intéressant en vrai. Petit lanceur à gaz noble en légendaire aussi, pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout, en vrai de vrai. Dérouteur en légendaire. Ouh, deuxième mission V-Buck ici. V-Buck ou Ticket Arion X, je reprécise. Hein. Et d'ailleurs, avec la carte PSN ou Xbox, si vous gagnez, vous pouvez vous acheter Soul Monde. Hein. Ah, enfin, presque, il vous manque 6 euros quoi. Mais tu peux quasi t'acheter Soul Monde. Sauf si je fais carte cadeau. Je sais pas. Si vous avez, si vous en gagnez 2, hein, si vous gagnez le YouTube et le Discord, ça fait 20 balles. Hein, donc, il faut que vous ayez de la chance. Mais voilà. Petite Sarah du Maître du Shuriken, un héros que j'aime bien. Que j'ai joué énormément au début en. De juillet août 2020, enfin au début quand j'ai commencé le jeu quoi au final. Donc voilà. Petite mission intéressante ici aussi avec un x3 d'écu épique avec un petit légendaire avec 70 fous dans la bouteille. Why not? Why not? Bim bam boum, tac toc. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça on va pas le dire. Si celle-là elle peut être intéressante mais pas ouf. Après au pire vous allez juste à mettre pause et vous regardez plus précisément ce qu'il y a. Petit zapper légendaire ici. Ça peut être sympa pour les motifs d'armes. Petite livrée la bombe ici avec un x3 d'éculège avec 225 en plus et un petit épique qui squatte là. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc là, la mission, je la note à 6 sur 10. Franchement, c'est intéressant. x4 XP de schéma avec 325 000 XP de survivants. Franchement, bah ça vaut rien. Bah, 2 sur 10, frère. Et petit écrabouilleur ici en répa le refuge avec un x4 récupérateur, pourquoi pas. Et on arrive directement sur les 160 avec un x4 d'éculège avec un petit épique avec 70 AU du cyclone en répa le refuge. Ça peut être intéressant. x4 d'éculège avec un petit épique avec 242 000 XP de schéma encore, ça peut être intéressant. x5 foudre en bouteille avec 242 000 XP de schéma, ça peut être intéressant. Et pour finir, la plus intéressante du coup d'aujourd'hui, x5 gouttes de pluie en évacue le refuge avec un surrang légendaire, ça peut être intéressant également. Donc honnêtement, l'émission d'aujourd'hui, bah, récap, un petit récap comme ça. Bah, il y a une mission sur Vendège, deux missions V-Buck, deux missions héros légendaires. Ouais. Bon là c'est pas mal, des petites armes légendaires aussi on a vu. Hein. Donc on va regarder directement en aventure. Donc il y a une x4 foudre en bouteille ici avec 300 récu, qui peut être intéressante. x4 foudre en bouteille ici avec 300 récu également, ça peut être intéressant. x2 en déculage épique, ça peut être intéressant. Une petite revancharde ici avec un x4 fragment, ça peut être intéressant. Et puis sinon, bah voilà, voilà ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, qui a fou des balles, ça va, ouais. Ouais, donc ouais, pas mal, pas mal. Donc pas mal, donc je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Évidemment, jusqu'à demain, n'oubliez pas, hein, il y a l'habit bro maudit, pardon. Enfin demain, encore 14h, hein, donc ça fait une demi-journée, hein, un peu plus. Donc si vous voulez l'acheter, c'est maintenant où elle sera partie. Mais de toute façon, elle sort assez régulièrement ces derniers temps, donc c'est ok. Donc bref, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire si vous voulez participer au giveaway. Et puis sinon on se dit ouais c'est tout hein. Je pense que tac tac, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux hein. Comme j'ai dit, un Discord très important pour participer au giveaway. Et sinon Instagram et Twitter si vous voulez des informations. Le dimanche je mets des trucs qu'il y a en nouveauté. Le jeudi je les mets pas parce que souvent c'est des trucs pas intéressants. Comme là la Brumodie, je m'en fous de le dire que ouais il y a ça cette semaine. C'est pas intéressant, voilà, voilà, j'espère que vous comprenez. Mais ouais sinon c'est tout hein. Je pense que c'est tout, donc je vous laisse là-dessus. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!